de parler avec Marius. Ah, et la ça va? Bah, il va bien? Oui, oui, ça va. Oui, il a fait juste un peu le vin, mais c'est normal apparemment. Bah, il a l'air d'être souvent comme ça, Marius. Oui, oui, il sent souvent le vin, Marius. Oui, c'est vrai. La fête, elle est finie? Oui, je sais pas. Ah oui? Ah oui? Attends, bah, je crois, tout le monde est parti. On va voir. Tout le monde est parti? Bah non, ils font la fête. Ah non. Ah non, ils partent. Oui, il m'a envoyé un gentil message, docteur Maison. Il est gentil, docteur Maison. Je peux pas faire de... Tiens, mon clavier, il marche pas bien, ouais. Oh zut, c'est une nouveauté. Je pense que quand t'es allé dans la piscine, ça a dû faire du... Il est waterproof ça. Ah non. Hé. Hey. Oui. Vous vous rappelez quand vous avez parlé de l'autre jour, là, de le truc à l'aéroport, de prendre une espèce de planche, de saut, de s'envoler, de faire du parachute une fois qu'on est en haut avec la voiture, en sortant de la voiture. Le tremplin, oui. Ouais, vous avez pas essayé encore? Non. Bon, non. J'ai essayé deux fois ce matin, Bon, bingo, première fois, j'ai pas sauté assez haut, je suis tombé coma. Deuxième fois, j'ai sauté assez haut, mais j'avais la ceinture attachée. Si vous voulez qu'on essaye, si ça vous chauffe... Oh oui, on peut essayer. Ça nous ferait du bien, je pense, puis ça fait longtemps qu'on aimerait. Petite aventure, puis ça fait longtemps que personne n'est tombé dans le coma parmi nous, donc je pense que c'est le moment. Moi, j'ai juste aujourd'hui une fois parce que je suis tombé du zeppelin. Est-ce que vous avez vos parachutes d'équipés? Oui, faut que je les mette dans un coffre quand même. Ok, je vais rester avec les croûtes, je vais faire un petit truc avec eux, je te tiens au courant. Ah, ok, ça roule. Ah, vous allez faire un truc? Tu veux venir, Lucie? Tu veux venir avec nous? Moi, il faut que j'aille à l'hôpital. Ah, zut. Tu veux qu'on te dépose en chemin à l'hôpital? Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler Jim. Je veux savoir s'il y est toujours. Ouais. Il est carré, Jim. Bah, il est pas ça va nous faire du bien parce que là. Un petit peu d'aventure, mademoiselle. Bah oui, mais messieurs, putain de merde. Écoutez, au point où on en est, hein. Qu'est-ce qu'il fait? On va dire que vous étiez frères alors que vous êtes cousins. On est cousins. Oui, ouais, les gens disent. Mais on est un peu frères de cœur. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, moi, c'est pas grave, ça me dérange pas. Oui, ouais, j'ai envoyé un mail de. Moi, ça me dérange quand on dit les filles parce qu'on a des voix, mais c'est pas notre faute, nos voix. Je sais. On choisit pas nos voix. Un jour, ils s'aggraveront, mais là, c'est pas le cas encore. Ouais. Bon, on attend de voir ce que fait Lucie, et ensuite, le but du jeu, je pense que vu que vous avez une... Ouais, on va essayer de choper une belle voiture dans le quartier, à mon avis, il y a des voitures qui bombardent. Ça va nous faire on du bien. On la voiture, façon. On s'envole, on saute en même temps. Une voiture qui va vite. Ok, c'est bon, on peut aller à l'hôpital. Ouais. Okay, super. On va à l'hôpital. Venez, on va chercher une voiture. Ça va pas aller assez vite, il faut trouver une voiture qui est un peu plus énervée. Là. Oui, mais dans ce quartier, on va trouver. Non. Marius, on va pas la voler. Bah non, quand même pas. Si c'était à personne, on s'en ficherait, mais... Ah bon. Conduisez-nous, monsieur. Je nous conduis. Je vais les chercher, on va trouver une meilleure voiture. Klaxon. On va trouver une mieux en chemin, on trouve une mieux en chemin. Ouais, d'accord. Direction l'hôpital. Mais après, pourquoi elle est très bien, cette voiture. J'aime bien les familiales, moi. C'est vrai qu'elle est bien, mais on peut tous être dedans aussi, comme ça, en attendant. Ah, pour mais aller attendez, mais les voitures... Les voitures qui vont très vite, elles sont deux places souvent. Ouais, c'est pour ça, il va falloir on fera des allers-retours, c'est pas grave. Mais de toute façon, à l'hôpital, on n'a pas besoin d'aller très vite. Non, t'inquiète, c'est pour après. Non. Là, on te pose, puis nous, après, on va faire un saut. Si tu veux venir, tu nous rejoins quand tu veux, Lucie, tu sais. Bah, c'est toujours... on a envie de venir avec Jim, mais il sort de l'hôpital. J'avoue que ça lui ferait peut-être du bien. Ouais, sinon, venez. On vous donnera. Mais il vient de sortir d'une commotion cérébrale, peut-être. Ouais, mais nous, on en a fait plein, puis ça va très bien, tu vois. Non, on saute pas d'un avion, on saute d'une voiture lancée vite. Oui. Quoi? Attends, laisse-moi choper la voiture derrière, je vais descendre là. Je vous rejoins à l'hôpital, ok? Retour à l'hôpital. Oui, elle va être bien celle-là, parfait. Ouais, elle est pas mal. Ouais. Comment ça, vous vous jetez d'une voiture? Tu vois les gros tremplins qu'il y a vers l'aéroport? Ça fait très longtemps, les vents, on s'est dit, si on apprend à faire du saut en parachute, on pourra les prendre très vite, puis après, on pourra tomber sans se faire mal. Et du Exactement. Coup, maintenant qu'on a enfin appris à faire bien du saut en parachute, et qu'en plus, on a eu quand même une grosse journée, et qu'on aime bien finir la journée avec un peu de moments où on s'amuse un peu, puis qu'on lâche sa pression, oui, et ben, c'est vrai. Du coup, je pense que ça va être bien. Oui, c'est bien de finir les journées comme ça, je pense. Lucie, hier, tu vois, hier, l'avion, hier, c'était chouette de finir comme ça. Et toi, t'as fait ton tour en bus. Oui. Et d'ailleurs, il a tué une policière. Oui, j'ai entendu. Mais Johnny, il a pas fait exprès. Il a pas fait exprès. Ah, d'accord. Et oui, vous m'avez fait peur, là. Oui. Et vous m'aviez manqué. Ouais, toi aussi, Lucie. Zut, tu nous manques tout le temps. Tu sais, tu fais partie du groupe. Je vous dis un truc. Oui. Vous savez pourquoi j'aime bien Jim? Non. Bon, il est gentil, tout ça, et il fait plein de choses gentilles. Mais vous vous souvenez quand on s'est baladé dans la montagne et que je vous ai monté la plus haute montagne? Oui, je me rappelle. Et que je vous avais dit qu'un jour, quand ça irait mieux, j'irais tout là-haut? Oui. Et il t'a emmené là-haut? Bah, pour notre premier rendez-vous. Et il était sûr, du coup, c'est ton copain, du coup? Bah. Je sais pas encore, mais je crois que. En tout cas, s'il est gentil, c'est super. Oui.
Mais il savait même pas l'histoire, il m'a emmené là-bas tout seul. Ah oui, bon bah c'est un signe alors. Bah oui, c'est un signe. Bon, je suis trop contente pour toi, Lucie. Il faut vraiment qu'il soit gentil. Mais sinon, je suis vraiment contente. Tu mérites quelqu'un de gentil. Oui, et je peux vous dire un secret? Ouais, dis-nous. Ça dépend, ça va nous foutre dans la merde ou pas? Non. D'accord, mais on va partir en voyage. Oh, wow, vous allez aller où? Après, toi, il arrive. Vas-y, après. Mais je partirai mardi soir en bateau, très très loin d'ici. Wow. Ouais. Par contre, je veux toujours qu'on garde contact. Hein. Oui, t'as. Parce que je t'aime beaucoup, Lucie, et puis Daniel, il t'aime beaucoup. Mais je pense que tu le sais. Et puis au pire, on en reparle, mais... Et vous pourriez... Attendez, on m'appelle. Ah. C'est drôle les timings dans la vie. Oui, c'est fou, hein. Oui. On peut jamais parler plus de 30 secondes à quelqu'un sans faire un appel dans cette ville, hein. Bon, bah, pourquoi on est là déjà? Je vais le chercher. Oui. Vous m'attendez? Ouais, on t'attend. Oui. On prendra plein de voitures. Oui, bah, on prend celle-là, oui, bah ouais. On prend celle-là, puis on va. Oui, voilà. Tu sais quoi, Daniel? Comme ça, on va enfin voir Je pense que c'est trop cool si Lucie, elle a quelqu'un qui va être là. Elle. Bah ouais. Oui. Et qui va la canaliser. La charge mentale, moi, je suis bien contente. Bah oui, puis même pour eux, j'aime c'est bien Lucie, mais il y a beaucoup de charge mentale et ça, il y a beaucoup de choses dans cette ville. Mais... Et oui. Moi, je suis un peu fatiguée quand même. Bah oui. Oui. J'ai soif. J'ai soif dans ma tête. Je reviens. Je fais une sieste pour boire. Oui, non mais je comprends. Oui, ça veut tout dire. Oui, j'ai compris. T'aurais pu même le dire complètement explicitement, ça aurait été pareil. Ah, j'ai moins soif dans ma tête. J'ai hâte. Ça fait vraiment longtemps, j'aimerais trop faire ce saut. On en parle depuis le début. Bah, chaque fois qu'on passe devant, j'y pense. Mais qu'est-ce que je disais? Moi, j'ai hâte de voir cette gym, surtout. Bah oui, j'espère qu'il est gentil. Mais je pense, hein, moi, je fais confiance à Lucie et souvent... Ah, on m'appelle. Ah bah... Non, bah... je rigole. T'es bête, Daniel. C'est une blague. T'es bête, Daniel. Ah, on m'appelle. Ah, je rigole. Ouais, c'est vrai que souvent, juste comme ça. Mais nous, j'ai l'impression qu'on est moins appelés que les autres, c'est ok. Bon, on est quand même beaucoup appelés, hein. Je trouve que c'est... Ça marche bien, tu vois, si quelqu'un nous parle un moment et qu'on n'a pas envie de lui parler, à la limite, on s'envoie un message et en même temps, on s'en va en disant « Ah ben, on m'appelle !» et comme ça, on se casse. Oui, donc, bah, moi, de côté, tu vois, moi j'ai déjà fait ça, moi. Comme dans « Tout ce qui brille » quand elles prennent le taxi. Oh, c'est... Il était chouette, ce film. Il faisait un peu penser à nous, d'ailleurs. Je trouve pas. Je suis d'accord, oui. Bah, sauf la fin, parce que ça finit pas très bien. Oh, ça va, elles s'entendent mais un petit peu moins bien qu'avant. Au moins, il m'a fait mal au cœur, ce film. C'est vrai qu'il fait un peu mal au cœur. Oui, mais le moment où elle chante, puis elle rentre, ça, c'est chouette. Oui, justement, elles sont tout le temps en train de faire genre les taxis, elles courent. Et moi, j'aime bien. Il y a Vanessa qui arrive. Ah non, elle s'en va. Oui, je suis bien d'accord. C'est, disons que c'est un film qui fait du mal, mais qui fait beaucoup de bien en même temps, quoi. Oui. Pourquoi ils sont passés par là, si c'est pour partir? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, il faisait demi-tour, d'accord. Bon, les gars, on y va? On attend Lucie, comme d'habitude. On attend toujours Lucie. On l'adore, mais on l'attend toujours. Oui, écoute, c'est un peu... Ah, je comprends, il n'y a pas de soucis. Elle va pas tarder. Ah, attendez, d'accord. C'est qui ça? C'est quoi ce qu'on fait là, les enfants? Ah, c'est la possibilité. On attend Lucie et Jim. Mais... Jim et Lucie, ils sont déjà sortis. Hein. Non, ils sont en urgence là, à l'instant. Ah bon? Non, je viens de les croiser à l'instant. Ah oui, ok. Ok. Nous, on les attend, on croit qu'ils s'en aillent. Mais comment ils sont dehors? Qu'est-ce qui se passe là? C'est Tripac. Et le pénitencier. Quoi? C'est Tripac. Ah oui? Il est en prison. On rentre? Voilà, je crois qu'il part juste en prison, hein. Mais...
Attends, mais c'est qui ça? Qu'est-ce que vous faites dehors? Qu'est-ce que vous faites dehors? Ah, bah comment ça va? Ça va? Ça va bien? Je croyais que vous alliez en prison. On vient d'en sortir, vous inquiétez pas. Juste pour la strip créative. Oh, bah vous avez pas fait longtemps. Bon, écoutez, ça veut dire que vous avez pas fait des choses pires que non, ça. On a rien fait de toute façon. Ne t'inquiète pas, hein, c'est une... Bah, je sais pas, tout le monde me dit, vous faites plein de choses. Mais oui, mais tout le monde dit, encore une fois. Écoute, Antoine, tout le monde. La plupart des gens sont des cons. Encore une fois, Antoine, quand on te dit quelque chose, tu dois réfléchir à ce que la personne en face. Qui est la personne en face? Pourquoi elle te dit ça? Oui, bah on en parle avec Daniel, on dit on va réfléchir plus sans Daniel. Oui. C'est important de réfléchir, c'est important que vous vous dites que vous disiez qui nous parle et pourquoi ils nous disent ça, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner. C'est ça le truc, c'est ça, vous voyez. Attends, parce que pour vous, à chaque fois que quelqu'un parle à quelqu'un, c'est forcément qu'il y a un intérêt derrière. Vous êtes qui, vous? Bah oui. Vous ne connaissez pas, je suis Roy Marx, je suis le speaker tous les soirs, je suis maladé, je m'occupe de... Roy, on connaît beaucoup sa voix, mais on connaît pas beaucoup sa tête. Mais oui, de toute façon, enfin, c'est évidemment, il faut réfléchir toujours. Et là, la discussion qu'on a eue tout à l'heure, et j'espère que du coup, vous avez discuté entre vous avec votre cousin. Oui, on en a bien discuté, oui. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, Daniel, c'est ça? Bah moi, je suis mon cousin quoi qu'il arrive, hein. Ben voilà, ben en fait, c'est important que vous décidiez vous-même et que vous arrêtiez de vous faire manipuler. Parce que les gens cherchent en permanence à vous manipuler, à vous donner des informations, des informations fausses. Regardez, vous aviez peur de nous. Il y a 3 heures, vous aviez peur de nous. Ben oui, c'est vrai. Ben voilà. Alors bon, moi, je sais que vous allez rien me faire, donc ça va. Ben oui, voilà, je vais absolument rien faire. Je vais juste rentrer chez moi et je vais dormir, en fait. Oui, rentrez. Il y a 1 million sur votre tête, donc il faudrait peut-être bouger. Oui, par contre, c'est vrai qu'il y avait de l'argent sur votre tête, monsieur. Donc vous inquiétez pas. Non, c'est fini. C'est qui? C'est fini, c'est de l'histoire ancienne. Ah bon, vous êtes sûr? Oui, si. Attendez, bougez pas. Non. Les côtes, allez-vous-en. Oui, mais je pense qu'il faut pas pleurer. De toute façon, tout le monde parle. Ça va. Non, mais on va bien, ne t'inquiète pas. Écoutez, Daniel et Antoine, en tout cas, bonne journée. Oui, pareillement, monsieur. Bonne soirée, parce qu'il fait nuit. Oui, bonne soirée. Bonne journée, et reposez-vous bien, s'il vous plaît. Salut les baisers. Et bye. Lucie. Là, vous allez crever. Lucie, viens. Quoi de neuf depuis le temps? Bah écoutez, je me porte plutôt bien, non? Ça va? Alors c'est qui, là? Je suis en train de parler à qui, là, d'ailleurs? C'est Lucie. Vous vous rappelez de cette histoire d'espèce de fusion, là? Oui. Bah on y est, là. Ah, ça avance? Ouais, ça avance, ouais. Mais alors, Lucie, quoi qu'il arrive, c'est important. Ouais, il veut l'aider. Ça doit rester au milieu. Voyez ça comme une barre qui va de droite à gauche, d'accord? C'est important qu'en fait, ce soit Lucie qui reste en contrôle. Ouais. Juste une chose. Quoi, vous devriez partir parce que là, il y a du monde. Du coup, Ted, il est tranquille. Ah oui, je ferai de mal à personne derrière moi, là. Mais je veux plus jamais vous voir. C'est un conseil pour vous. Allez, on y va. On y va. Bonne soirée, monsieur. Au revoir. Jim, on y va, j'ai dit. Jim. Mais je sais pas, il faut voir que c'est le débile. Là. Bien joué, toi. C'était impressionnant. Okay. Oh, ils viennent avec nous. On y va. Non, alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que... Nous, il faut deux dans cette voiture et 4 dans celle-là. Je propose, on se met là. Allez, dans l'autre, ouais. Et puis vous nous suivez? Vous nous suivez, Roy? Pas dans l'autre voiture, Roy. Vas-y, conduis, Roy. T'es le pro de la... Alors, je crois que le tremplin, il est... Ouais, il doit être là, je crois. Oui, c'est ça, un peu près. Ouais, ok. Tu vois, il dit rien de mal, il dit juste, réfléchissez à ce qu'on vous dit. Oui, bah justement, qu'est-ce qu'ils ont à avoir là-dedans? Ils essayent de nous manipuler. Oui, ils réfléchissent à pourquoi ils nous disent ça. Non, mais je sais. Il est complètement con parce qu'il vient de nous dire exactement ce à quoi il fallait réfléchir vis-à-vis de lui. Il est stupide. Là, pour le coup, c'était. Bah, c'était stupide, voilà, je le dis, il est stupide. Oui. Ouais, bah tu. Oui, je discutais avec lui. Non, par contre, moi, je suis étonnée parce que tout le monde m'a dit oui, Cox. Mais t'as vu, tout le monde s'en fiche, qu'est-ce que je te dis, il fait rien de grave. Je comprends pas. Et tout le monde me dit oui, s'il voit Lucie, il va la tuer tout de suite. Mais non, je te dis. Il était quand même vachement poli. C'est comme tout le monde, ils étaient sûrs qu'il allait me prendre pour me tuer, puis pas du tout, c'est ça que je veux dire. C'est juste. Oui, je pense lui, c'est pas. Faut pas le suivre dans tout. C'est juste, mais. C'est par contre, les gens, ils vont aussi. Ils inventent des trucs aussi, quoi. Mais c'est trop. Moi, je pense que c'est comme depuis le début. Tout le monde extrapole, personne s'écoute. Ils se disent, ah bon, il t'a insulté, oh là là. Et puis il va voir quelqu'un, il dit, oui, il a dit qu'il allait le tuer. Oui, c'est ça. Quoi, il l'a pris en étage. C'est ça, moi je dis, il faut réfléchir par nous-mêmes et pas en écoutant tous les autres, c'est juste ça. Nous, notre force, c'est qu'on sait qu'on peut reposer l'un sur l'autre. Oui. Bah, et il est là. Le tremplin, il est là. Ouais.
Ils nous ont pas suivis. Bah. Mais c'est eux. C'est eux ou c'est pas eux? Non, c'est pas eux, je crois. Bon, j'envoie ma position à Lucie. Là, on m'appelle. Bah, comme d'habitude. Comme d'habitude, hein. Oui, allô. Allô, tout se passe bien? Oui, ça se passe. C'est bon? Non, c'était juste pour être sûr. Si jamais, j'ai vu, on a croisé Monsieur Cox, il est ressorti de l'hôpital. Ouais, il a fait sa peine de prison, il a payé ce qu'il devait et... Ok. Bah voilà, bah, c'est tout ce que je voulais dire. Ça veut dire c'est plus, il est plus recherché, c'est plus un méchant. Ouais, c'est bon. Bah, juste faire attention, quoi, mais ça l'a calmé. Ok. Ok. Comment va votre frère, votre cousin? Daniel va bien, tu vas bien Daniel? Oui, moi je vais très bien. Très bien Daniel, on va aller faire du saut sur le gros tremplin là maintenant qu'on sait faire du saut en parachute. Ok, pas de soucis, bah oubliez pas que quand vous avez fait un parachute, repliez votre parachute dans un coffre de voiture. Alors attends Roy, deux secondes parce qu'Antoine il est au téléphone. Ok, bah allez. Attends, viens, va sur le trottoir. Bisous. Le problème c'est que la voiture elle est pas à nous, comment on le replie dans le coffre? Bah oui, t'as raison, ouais. Bah oui, bah c'est la merde. Bah sinon on va chercher nos voitures. Ouais, on va aller chercher nos voitures. Bon, alors attends, je lui dis. Ah, j'étais pas attaché, tiens. Moi non plus. Vous allez le faire avec votre voiture? Mais il faut qu'on... Non, mais il faut qu'on replie nos parachutes, et du coup, faut qu'on aille et qu'on ait un coffre à nous, parce que là, ces voitures, elles sont pas à nous, on peut pas. Mais t'es sûr qu'il faut que tu le replies? Normalement, si t'as un petit... Moi, je l'ai utilisé, oui. Ah, mais même moi, je l'ai utilisé il y a pas longtemps, mais comme j'ai fait un coma juste après, il est directement replié, normalement. Moi, j'ai pas fait de coma après. Ah, merde. Mais t'as fait un coma tout à l'heure? Oui, mais après, je l'ai réutilisé. Ah bon? Oui. Ah, la chance, pourquoi tu l'as utilisé aujourd'hui? Parce que j'étais coincé sur le zeppelin là. Ah oui, c'est... Attends, vrai. C'est toi qui a craché le zeppelin aussi? Ouais, après il est tombé, je crois, oui. Ah ouais, il s'est craché juste à côté du... Oui, moi j'ai fait une sieste à ce moment-là. Bah ouais, bah c'est moi, oui, c'est moi, je l'ai craché. Ça m'étonne pas. Bon, est-ce que tu veux qu'on te montre comment on fait avec ton cousin d'abord, et puis ensuite on va t'accompagner à replier ton parachute pour voir si on y arrive tous les deux? Bah, on a les voitures juste à côté, je vais vite aller chercher. Oui, mais moi je préfère qu'on le fasse ensemble. Vous le faites tous les deux en même temps? Tous les deux, oui. Ok. Attendez-nous une seconde, on fait très vite. Attends, ce que je fais, c'est que je te dépose. Ouais. Je te dépose à ta voiture, tu prends la voiture et moi je reviens avec celle-là. Allez. Ok, on arrive tout de suite. Dans deux secondes, de toute façon, il est juste à côté le garage. Oui, justement. Le garage, il est là. Je te l'ai noté. Ok. Tu peux couper sur la gauche là. Donc tu fonces pas dans personne. Alors, faudra surtout pas oublier, avant d'accélérer, de bien détacher votre ceinture. Oui, ça c'est important, ouais, parce que sinon on va être... Exactement. Limité, ouais. Sinon tu vas mettre trop de temps avant de sortir. Et surtout, faut vraiment attendre que vous soyez bien haut aussi. Je l'ai fait à deux reprises et c'est passé à quelques mètres, quoi, quelques bien centimètres. Bien haut pour sortir de la voiture. Ouais, c'est ça, faut attendre que la voiture soit à son point culminant. Ok. J'ai hâte, ça fait vraiment longtemps qu'on en parle avec Daniel, hein, vous savez pas. Bah, moi j'ai entendu qu'il y avait plusieurs personnes qui en parlaient, ça me donnait envie aussi et j'ai essayé. Ah, ouais. Mais c'est, du coup, je pense que c'est le bon soir pour, parce qu'on a une grosse journée. Ouais, ça va vous permettre de vous détendre un petit peu. Ouais. Oh. Je suis... Qu'est-ce qu'il fait? Il est bête. Il est bête, Roy. Il est rigolo, Roy, mais il est bête. Ah non, faut pas que je dise que les gens ils sont bêtes. Pardon! Ah non! Mais timing, Antoine! Oh non, j'ai plus. Il est où mon parachute? Il a pu. Oh non! Sinon, on va en acheter un autre. Oh vas-y, j'en ai marre! Mais t'inquiète, on va en acheter un autre, c'est ok. C'est loin, c'est où? Bon, je reviens. Ok. Il a dit quoi? Le plus proche, c'est en ville. Il a dit exactement, le plus proche, c'est en ville. Tu veux bien? Oui, merci. Ok. Oui, mais t'inquiète, je sais où c'est. Tu as quoi, ton sens? Bon, écoute, t'as mis ta ceinture? Non. Mets ta ceinture. J'ai mis. Oui, voilà, quand même, t'aurais pu retourner dans le bon sens. Oh.
Bah non, parce qu'on tourne ici. Oui, non, pardon. Est-ce que... Non, effectivement, t'as raison. Oh, ouais. Oui, il y avait une affiche pour la télé. C'est terrible, c'est toujours nous, on attend. Hein? C'est toujours nous qu'on attend, c'est terrible. Non, c'est pas vrai, souvent c'est vrai qu'hier c'était pas nous. C'est vrai que souvent c'est Lucie. Oh. Alors j'ai eu très mal. Oh, pardon? Ah oui, oui. Oh, c'est bizarre, ça devait juste être de ton côté, t'as reçu un éclat de verre? Ah oui, ça devait être ça. Non, mais ah je pense que c'est parce que j'ai les genoux croisés, c'était peut-être ah pas oui, une bonne faut idée. Pas faire ça en voiture. Hein. Ah oui, non, non, bah j'ai des croisés alors. Attends là. Combien de fois j'achète un ça là? Bonjour. Mais j'en ai un! Mais j'en ai un! Pourquoi ça me dit j'ai un? Me remets le point, s'il te plaît. Oui. Ça, c'était... T'as mis un turbo sur ta voiture? Oui. Oui, il y a un turbo. Elle est super cette affiche. Ah ouais, elle est vraiment super. C'est la meilleure de la ville, je trouve. Oui, je suis d'accord. Elle a plein la de couleurs et tout, ouais. Pourquoi j'arrive pas à replier mon parachute? Je comprends pas. Mais ça te dit quoi, le coffre? Ça me dit, il n'y a pas de parachute. Bah, en même temps, c'est une voiture. Peut-être c'est vrai, c'est une dans voiture. Un hélico. Bon, écoute, on y va comme ça, on regarde. Roy, il a dit, j'ai un hélico, si tu veux, on va le replier dedans. Oh, bah sinon, on fera ça. T'as vu, elle était super l'affiche, j'ai vu à la fin seulement. Moi j'ai pas vu. Vas-y, dis-lui. Moi j'étais pas attachée. Bah ça marche pas dans la voiture, Roy. Dans la voiture ça marche pas? Bah non, je réessaye. On va rentrer à la maison, nous, de toute façon. Bah non. Faites un saut, vous. Attends, t'es sûr que ton parachute il marche pas? Ah si, là c'est bon! Ah bah parfait, écoute. Ok, c'est bon! Ok. C'est bon, Daniel, c'est bon! Je vous rappelle le. Je vous montre un petit peu, je vous brief. Quoi, il nous brief? Il est parti! Encore une fois, il a dit ouais! Bah ouais! Complètement con! Quoi? Oui. D'accord. Oui. Oui. Oui, bah c'est okay. Logique, oui. Oui, bah en même temps, oui. Et il nous prend pour quoi? Il a juste dit il faut pas s'attacher et puis il faut lâcher au dernier moment. Moi, il m'a dit c'est bon. Bah il a même pas réussi. Oh non, parce qu'il a pris de vitesse, je voulais juste te montrer. D'accord. Mais par contre, il faut qu'on s'en aille d'accompétable. Vous prenez bien sur le côté. Je vais mettre mon micro, je vais vous mettre un peu de musique pour vous motiver, d'accord? C'est gentil pas ça. Détaché. On peut prendre on peut prendre votre voiture? N'importe laquelle, celle qui va le plus vite. En vrai, la nôtre elle va vite, hein, c'est bon. Hein. Bah moi, oui, surtout qu'on a un turbo vite. En fait. Attends bien que tu sois au point culminant. T'appuies sur le. Tu connais muscle. Bah oui. Les deux fois le même muscle. Dans la languette. On sait bien, on sait bien, on sait bien. Ok, on y va, on y va. Bon, ok, on y va. Ok, tu t'attaches pas, hein? Non, pour une fois. Ouais. Il y a une voiture de police. Je pense que tu peux aller plus loin encore, non? Oui, mais je recule. Ah oui, mais attends. Attends, oui, ah oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Mais prends plutôt l'autre allée, non? Oui, alors c'est ce que je me disais, mais en fait, regarde, parce que si je prends l'autre allée, il va falloir que je tourne très vite, tu vois ce que ah je oui, veux dire? Ah oui, t'as raison, et en plus, il y aura moins de voitures dans celle-là. Ouais. Allez, vas-y. Vas-y, remonte, on roule. Ça va peut-être tourner, ouais. Ouais, ça va être plus simple. Oui, c'est ce que je fais. Elle tourne beaucoup, ta voiture, hein? Oui, je l'aime beaucoup. Il y a plein de boutons dessus. On démarre de là? Oui, ça me paraît pas mal, je pense qu'on aura la vitesse maximale. Elle va vite. Ok. Bon. T'es prêt? Ouais. Elle est super cette affiche. Ouais, elle est super. Elle est super. Ok, c'est parti. Oh, je me réjouis. Vas-y, vas-y, avant. Je me concentre, hein. Et c'est parti. C'était. T'as réussi à... Mais... Non. Mais je pense qu'on avait pas assez de vitesse. Non. On n'a pas assez sauté. Mais t'as pas de turbo, en fait. Sur la gauche, qu'il faut longer. Sur la gauche. Oui, mais... Il a pas de turbo. Sur la gauche. Ah. Là, regarde.
Juste là, Daniel, sur la gauche, le long, la gauche. Mais moi, je connais pas ma droite et la gauche. Je pense à là. Mais ici, c'est ça ? Vous êtes juste devant leur lampe de lancement, faites attention. Tu double-cliques n'importe où. Attention, tac tac tac. Quoi ? Sur ton GPS, tu tapes deux fois avec tes petits doigts. Double-clic ? Bah sinon, on prend d'ici, hein. Je sais pas si on aura assez de vitesse. On fait ça ? Moi. Vas-y, essaye. Je pense qu'il n'y aura pas assez de vitesse, là. Bah ouais, mais on peut pas aller plus loin. Vas-y, vas-y. Bon, attends. On va essayer d'ici, si tu veux. Ça va ! Ça va ! Ça va ! Ok. Ça va, ça va. On remonte, alors, si ça va. Oui. Bon, du coup, il faut appuyer sur le bouton F de la portière, puis encore F de la languette, c'est ça ? Oui. Bah, okay. Comme je viens de faire. Mais moi, je pense que la décapotable, c'était peut-être mieux. Ouais, peut-être. Ok, vas-y, 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 à fond. Les gauches. Et c'est parti. Bon. Mais bordel, vous êtes pas sérieux. Vous avez vraiment pris le seul obstacle qu'il y a sur toute... Oui, bah... Non, mais comme ça, maintenant, on sait. Tu veux que j'essaye? Eh, même non. En faisant exprès, je suis pas sûr de... Non, mais maintenant, on sait, allez, donc là, on va pas le refaire. Oui, bah c'est bon, ça va. Écoutez... Va plus loin, là-bas. Mais tu allonges là-bas là. Mais attends, les... sors. Bah, je vois que je te frustre. Sors. Il faut s'exprimer avec des mots, pas de... Sors. Ouais, mais je sais pas m'exprimer, moi. Viens. Oh là là. Regarde ici, c'est bien. Tu vois là. Mais tu sais... Ah, vas-y, je te regarde. Oh, il y en a un deuxième là, t'as vu? T'es pas attaché, c'est bon? Non. Je me détache. Mais tu vas pas prendre assez de vitesse, là. Allez, allez, les coups! Wouh! Oui! Il y en a un qui est tenu, non? Oui! Vérifier devant. Oui. Attends, ma caisse, putain, je suis tellement lent. Oui. Oui, c'était super. Not even a sorry. Oh là, ça va? Oh, ça va. Je me suis tapé la tête. Ça va. T'as réussi? Oui. Ah, je croyais Daniel, il m'appelle. La musique vous a réussi? C'est Lucie. Oui, allô, Lucie. T'es vivant, c'est bon? Oui, je suis vivant. Ok, j'appelle Daniel. Oui, je sais pas s'il est vivant. C'était pas très... C'était court, mais c'était intense. Moi, je veux refaire. Bah, t'as encore un parachute? Bah, faut juste que je le referme. Bah, va le refermer dans le coffre, mais c'est pas ma caisse. C'est peut-être dans ta caisse, bah, à toi. Bah oui, bah, je peux où est Daniel? Mais Daniel, il est au sol. Attends, on va le retrouver, viens voir. Viens avec moi dans la voiture. Oui, Daniel, il a fini. Il doit être à l'étage au-dessus, je crois. C'était incroyable, mais j'espère que Daniel va bien. J'ai réussi, moi. C'était génial, quoi. Je suis hyper fière. Vraiment volé. C'était hyper impressionnant. Ouais. J'ai tout donné. C'était très court, le vol en parachute, mais je pense qu'il m'a quand même fait du bien. Je me suis moins tapé la tête. Allez, venez-moi. Oh. C'est pas grave. Hey, t'es déjà allé dans l'eau quand il y a ça? Non. Fais-le. Mais pourquoi il passe par là, lui? Eh, tape une nouvelle bouche d'incendie. Oh non, il est sur le toit, vous pensez? Je vais essayer d'y aller en parachute, vous me laissez faire mon saut? J'essaie. Ouais, vas-y. On regarde. Oui, mais il y en a pas d'autres. Si, il y en a plein d'autres partout dans la ville. Tu tapes une nouvelle bouche d'incendie comme ça, et quand l'eau elle s'éjecte, tu vas dedans. Tu vas voir. Oh, ça fait du bien en tout cas de rigoler après tout ça. Non, tu y vas à pied. Attends, bougez pas, regarde là. Ok. Comme ça, on verra bien le saut. On sait pas. On attend le show et après on va dans les... Oui. Je sais pas par où il va arriver. Ah oui, là. Waouh. Ah, il sautait plus haut que nous. Son parachute. Non, il a pas ouvert son parachute. Je crois que j'ai vu le parachute petit peu à la fin. Ouais. Je crois qu'il a... Je vais voir. Attends, on va rentrer dans le parc. Non. Ça va. Wow. Oh, j'ai eu peur.
Mais il est où? On va aller dans le... On va aller dans le parking. Oui, monte. Elle est rigolo quand même parce qu'il a dit on était nuls, puis après il a fait ça. Oups, attendez. Rappelle à tous que j'ai toujours pas mon permis, hein, mais c'est ok. Oh, t'inquiète, en vrai le permis c'est vraiment inutile, hein. C'est juste tu t'ennuies pendant une demi-heure. Et t'as pas rien de nouveau. Moi je l'ai eu et je l'ai perdu en 4 jours. Pardon ? Oh bah zut. Ouais, mais c'est même pas la police qui me l'a enlevé, hein. Les points ils sont partis tout seuls. Ah oui ? Ouais, bah c'est vrai, vous avez vraiment fait n'importe quoi. Ben non. Et pourtant je conduis bien. Bon, bah, mais c'est vachement haut là. Continue, donne tout. Moi je trouve rigolo, on dirait presque qu'un carrousel. C'est encore au-dessus, je crois. Oui, on y est presque. Voilà la lumière. Oui, ils sont où? Oh, il y a un tremplin là aussi. Waouh, on pourra faire là aussi. Oh, trop bien. Mais je les vois pas. Je peux plus courir. Oh non. J'ai pas le numéro de Roy, je crois. Ah bah voilà, parfait. Ah bah. Parfait. Ils vont savoir où ils sont. Bah je crois pas, ils pensent que c'est nous. Ouais bah on va leur dire, c'est pas ici. C'est pas ici. Je sais pas où ils sont, hein. Mais je crois qu'il est en dessous, en fait. Je crois qu'il est allé comme une crêpe derrière. Ah oui, je le vois. Oh bah, bon, bah, attention. Ah, mais c'est Roy, en fait, que je vois. C'est pas lui. Bonjour, docteur Maison. Docteur Croot. Est-ce que vous pourriez me soigner? Je peux plus bouger. Ah oui, docteur Croot. On avait besoin de se détendre, alors on a voulu faire un saut du tremplin. Moi j'ai bien réussi, mais par contre Daniel et Roy ils ont moins réussi. Seigneur. Et moi j'ai bien réussi, j'ai bien ouvert mon parachute. Ah, je suis fier de vous, docteur. Merci beaucoup. Vous savez où est Daniel? Parce que je crois que vous avez trouvé que Roy. On sait pas où il est là-bas, il est là-bas, on peut aller le chercher. Ils sont juste en dessous, le docteur Lambré qui est en train de se couper. Ok. D'accord. Non. Ok, tout va bien, j'ai glissé. Supplice, oui. Voilà. Il est là-bas, regarde. Là-bas. Derrière la route. Et oui. Sur l'autre route. Là-bas, ouais. Docteur Lambrique, vous avez les deux patients. Je vois pas. Tu vois les bâtiments? Ah, je le vois. Oh, le voilà. Pauvre. Oui. Je vais... Normalement, Docteur Croot est de l'autre côté. Je le vois. Je vais devoir le récupérer en hélicoptère. J'arrive pas. Je peux venir avec vous? Allez, venez avec moi. Allez, montez à côté, on rappelle. Très bien, allez-y. Ah, montez à côté si vous voulez faire du rappel, cher ami. Ah, oui, je veux faire du rappel. Attendez, je ressors. Et oui. Bah oui. Allez. Vous m'expliquerez comment vous avez fait? Mais bien sûr, mettez bien votre harnais avant. Oui, merci, vous me faites faire des expériences. Et bien sûr, cher ami, toujours. Répétez, docteur Martino. Je fais un rappel. C'est pas du tout un rappel, il s'est foutu de ma gueule. C'est vrai, il s'est foutu de ma gueule, mais c'est pas grave. Ah oui, docteur Maison, comment on se retrouve? Un plaisir, cher ami. Ça va, Roy? Alors, on se moquait bien de moi, mais en fin de compte, Roy, on c'était pas beaucoup mieux, hein. Aéroport, ça. Eh ouais, ça, c'est mon frère. Je sais pas ce qui s'est passé, ouais, c'était là. Je peux faire le rappel? On fera un rappel. Oui, alors, je vous explique. Donc, vous enlevez votre harnais. Oui, c'est bon. D'accord. Une fois votre harnais est bien enlevé, vous tirez le câble X une fois. Juste une fois. Et c'est bon, vous laissez aller. Et c'est parti. Trop fort. Waouh. Bravo. Oh bah Daniel. Oh bah Daniel, ça va pas très bien, Daniel. Je vais te sortir de là, mon petit gars. Tu m'étonnes que je te voyais pas trop, Daniel. Pauvre Daniel. Oh mais il y a du sang. Oh non. Oh, il m'énerve. C'est bon, vous? Non. Pardon. J'ai frappé le corps de Daniel.
Ça va aller. Je comprends que ça soit énervant, mais c'est comme ça. Ça va mieux. Déjà que je viens vous sauver, c'est dur. Et en plus, je me fais insulter. Docteur Maison, vous êtes où? Ah bah je... J'étais enrouée. Pas de soucis, ça va mieux? Oui. Je disais, j'ai... ma tête a tapé fort. Oui, ça tapait fort là, Daniel. Et puis après, je vous entendais parler au loin, c'était un peu compliqué. Oui. Je sais, Daniel, moi j'ai survécu, moi. C'est vrai. Oui, c'était super. Mais j'ai l'impression que vous m'avez oublié, Docteur Maison. Bah nous aussi, nous avons oublié, Docteur Maison. Mais non, pas du tout. Oh, moi j'ai oublié de lui répondre. Oh bah zut. J'ai pas répondu à Vanessa. Bon, qu'est-ce qu'on réessaye? Bah oui, quand même. Oui. Bah oui. Mais il y a un autre tremplin faut... là-bas. Oui, mais il faut que j'aille fermer le parachute. Oui, mais moi aussi. Mais attendez, il est où les lucos? J'y arrive. En vrai, on se fait vraiment... Non! Ça va! Ça fait pas mal! Vous pouvez descendre! Ah oui, c'est bon. Ouais. Pardon. Ouais, super. Get out my way, please! Sinon... Sinon, je reviens par mes propres moyens, c'est pas grave. Mais ta voiture, elle est là-bas, t'as vu? Elle est où? Elle est là. Oui, je l'ai vue avant. C'est bon. C'était plus haut ce que je pensais. Hello, attendez pas à ça. Moi non plus. Oui. Non, attends, faut replier les trucs. Oui. Attends, Roy, il est où? Si j'arrive là. Je sais pas. Roy, il est où? Faut peut-être aller voir si Roy va bien. Alors. Non, ça marche pas. Il faut un hélicoptère. Mais comment t'as réussi attends, tout à l'heure? Vas-y, parle. Il est. Bah, je suis allé le racheter. On n'a pas d'hélico, nous. Non. Ou alors, faut demander au docteur Maison, mais il est reparti, je pense. Je l'appelle. Je demande s'il est occupé. Sinon, il pourrait rester le temps qu'on passe. Je l'entends. Faut qu'il nous donne les clés. Mais il est juste là. Oh. Il nous donnera les clés, je pense. On a peut-être même les clés, d'ailleurs. Il nous avait donné une fois. Oui, mais il nous les a reprises, je crois. Monsieur, vous avez oublié Raccoon. Attends, t'approches pas. Non, vous inquiétez pas. Oh, Isaac, les rips. Respect, cher ami. Un petit câlin, respect. Ah ben... Franchement, respect. Merci, merci beaucoup. Mais vous savez comment c'est possible que... Vous traversez l'un l'autre. Est-ce que vous savez comment c'est possible que mon double maléfique ait pris ma voiture et soit cassé avec? Vous avez oublié le Raccoon, monsieur. Oui, c'est normal, c'est une projection de votre âme. Vous avez oublié votre collègue, monsieur, le pauvre. Oui, je vais le chercher, vous inquiétez pas. Bon, on peut avoir les clés de l'hélicoptère, s'il vous plaît? Allô? Bon bordel de merde, je vais y arriver ce saut, ça fait 4 fois en une journée. Attends, c'est Basile qui appelle. Allô Basile. Allez, j'ai oublié le parachute. Docteur Lombric, je viens vous chercher. Attendez, d'abord Antoine va oublier son parachute, il va vous donner. On donne les clés après. Et vous direz merci au raton, on lui a pas dit merci parce qu'on est tombé d'un étage, on pensait pas. Oui, c'est vrai. Vous êtes blessé? Non, ça non. va, je crois. Ok, allez, j'ai replié votre parachute, c'est docteur un peu la tête, comme ça vous donnez les clés au docteur. Ah, moi j'ai plié, c'est bon. Ah bah donne-moi bon, les clés, docteur Coot. Pardon, bah Daniel. Ah non, pardon, j'ai... Non, je voulais pas le dire. Excusez-moi, mal. Okay, okay. Les croûtes. Oui. Vous êtes sûr j'écoutais juste un flot lourd. C'est la troisième fois que j'échoue ce show aujourd'hui. Est-ce que je peux essayer une dernière fois? Oui, mais on veut refaire aussi, nous. Oui. Ah, ok, cool. C'est bon. Oh, pardon. Ah. Ouais, Excusez-moi, monsieur Maison. Non. J'ai cru que c'était le jeu. Non, c'est pas un jeu, je me suis... Ah, pardon. C'est mes muscles. Pardon. Non, attendez, pleurez pas, parce que sinon je vais pleurer, moi aussi. J'ai cru que c'était le jeu. Non. Je suis désolée, j'ai cru que c'était le jeu. Pardon. Non. Quand Daniel... Non.
laissez-moi faire un clip de rage. Elle croyait que ce n'était qu'un jeu. Elle t'a mis une patate, mon vieux. Tu es tombé au sol parce que t'es décédé. Docteur Maison, t'es mort. Non, il va bien, tu l'as bien mérité. Non, il va bien. T'as pris un coup dans la gueule. C'est la paix, elle a gêné. Tous allongés devant l'hélico. Ils n'ont vraiment pas le niveau. J'avais l'impression que vous êtes tous tristes, bobo. T'as une croûte sur le bras parce que tu t'es fait mal, mon gars. Parce qu'on s'appelle croûte aussi. Relève-toi, oui, c'est qu'un seul coup qui pas la droite. Ça a été très maladroit. Docteur House, ouais, réveille-toi. La prochaine fois, tu mettras un casque quand tu seras à côté d'Antoine et Daniel. Qui font pas souvent exprès. On n'a pas fait exprès, monsieur Maison, vous savez. Ça je peut sais, arriver sais. À tout le monde. Ah, non, mais... Ne touchez pas Daniel. Mais ça m'a fait un peu mal quand même là. Eh oui. Ne bougez pas. M'en fous. Il touchait pas Daniel. Merci. Il fallait pas faire ça. Oh oui. Merci beaucoup. Hop, j'ai pas de croûte. Bah, bien fait. Oh oui, zut. C'est mon tour d'être dans le coma. C'est mon tour, ça ne va pas. Son poing est tellement puissant. Il m'a j'ai été super rapide, c'est vrai. Arrêtez de vous casser la gueule. Ouais, ce n'est pas du MMA. Je veux juste faire mon dernier saut. Fallait pas commencer. Fallait pas commencer. Qu'est-ce que t'as, c'est ton problème. Oh, laisse-moi, ouais, tranquille. Tu m'as laté les couilles. Tu m'exploses, t'es ma boule. Boot, boot. Elle danse sur mon cadavre. Arrêtez de dire elle. Écoute, ils dansent sur voilà, mon voilà. cadavre. Merci, merci. On les appelle les frères, mais ce sont bien des cousins. Cousins. Oui, bah oui, cousins. Tout le monde dit qu'ils sont frêles, mais ils sont plutôt malins. Bah oui, on est malins. 17 tomates par jour. Non, ça va aujourd'hui. Non, on en a pas fait beaucoup. Et quelques camions, oui, qui coulent. Oui, ça fait longtemps. Bah, ça fait longtemps, c'est une vieille histoire. Ça fait longtemps, c'est une vieille histoire. Bah oui, bah oui. Quand il y en a un sur deux qui réussit, c'est un exploit. N'importe quoi. L'écoute, l'écoute, toujours là dans les bons coups. Ah, ça l'écoute, c'est vrai. L'écoute, oui. L'écoute, ah, oui. toujours avec, ça vaut le coup. Bah oui, bah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est du temps, avec eux, ils sont marrants. Oh bah. Ils sont très divertissants. Oh bah, merci. Toujours là pour les enfants. Bah, ça fait plaisir. Bah oui, ça fait plaisir. Pour les grands. Ah, oui. Allez, maintenant, relève-moi. S'il te plaît, ouais, défibille-moi. Oui, parce que ça fait longtemps. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Je vais pas chanter toute la nuit. Bah ouais, bah c'est vrai qu'au bout d'un moment, il est fatigué quand même. Bah surtout qu'il fait jour, quoi. S'il te plaît, oui, les amis. Oh là là. J'aimerais bien avoir un coma musical aussi, moi. C'est rigolo, les comas musicaux. Oui. Quelque chose d'assez récurrent, effectivement. C'est lourd. Oh là là. Vous allez bien, cher ami? Regarde. Ça va, ça va, ça va. Ce que je me dis, c'est que dans quelques secondes, je vais retenter pour la quatrième fois le saut. Que ça non, ouais, parce que moi, j'ai réussi, moi. Mais oui, mais ça va aller. Ouais. D'ailleurs, moi, je vous ai vu vous crash et c'était un beau crash. Oui. Oui. Ouais, bah, mon parachute, il s'est ouvert, mais il s'est direct refermé parce qu'il a touché un mur, je crois. Ah, zut. Ah oui, attention au bord de mur, au poteau aussi, c'est... Y'a pas de soucis. Très... Hey. Pas de rancune, hein. C'est pas... Lucie, elle m'a planté un couteau dans le dos, vous m'avez juste éclaté la gueule. Écoutez... C'est parce que vous avez... Non, c'est parce que vous avez tapé Daniel, moi on tape pas Daniel. Moi, Daniel. Je vous ai tapé, vous m'avez tapé, je l'ai un peu tapé, tu m'as mis dans le coma, on est quitte. Oui. On est quitte, oui, bon, on a qu'à dire ça, là. Oui. Allez. Voilà, pardon. Voilà. Vous voulez faire du rappel, alors, cher ami? Non, je préférerais faire directement juste le big jump une fois, et après je vais aller me reposer. Le rappel, de toute façon, c'est juste un muscle. Bah, va avec, moi je ferai, voilà. Bon, vous savez quoi? Vous allez sauter, on va voir, et moi je sauterai en parachute depuis l'hélicoptère. Ah bah oui. La hauteur. Comme ça, j'essaie de tomber en même temps qu'eux, ça serait rigolo. Ah oui. Je vais garder Docteur Croûte au téléphone. Oui, comme ça, vous dites ou quand je dois sauter. Comme ça, je... Mais Docteur Croûte, je reste avec vous au téléphone pour que, comme ça, quand Docteur Croûte saute, il y aura, vous voyez, de la synchro. Ah, je peux retrouver. Faut que je saute un peu avant, je pense, parce que sinon, ça va être bien, ça va être bien. Oh, ça va c'était être pour super le saut. Voilà. Bah apparemment oui, voilà, vous fassiez le saut, comme ça Docteur Croûte saute en même temps et comme ça vous arrivez en même temps au niveau, vous voyez? Oui, il faut qu'on fasse tout en même temps. Hop là. Alors, comme ça, normalement au niveau de cette hauteur, vous aurez assez de temps pour ouvrir le parachute, Docteur Croûte, d'accord? Oui, oui, là
bien joué là, c'est bien là. En tout cas, donc, merci, nous, vous êtes vraiment super. Je vous en prie, docteur, pour vous enlever vos idées noires. Ouais, ça fait du bien, j'en ai besoin alors. Bah oui, bah, je comprends. D'ailleurs, dites-nous quand vous êtes sur place, docteur Kroot, et nous, on vous attend. C'est ça, en gros, vous nous donnez le top quand vous démarrez la voiture. Ouais. Allez, il faut qu'il raccroche hein, pour le parachute, hein, ouais. Bah, sinon... Alors, bah, attendez, alors, vous me dites quand vous... En fait, non, quand vous raccrochez, moi, je donne le top à Kroot, ok? Voilà. Ok, docteur Kroot. Ah bah voilà. Non, j'arrive pas à aller vers eux. Wow. Ah ça va. Franchement, ça va. Bon, oh, c'est ok. C'est ok. J'ai bien. Ça va. Ça va. Juste quand je regarde depuis ma tête, ben, ça va, j'ai plus de peine à... Ça va. Ça va. Franchement, ça va. Tu rentres-toi peut-être. Allô? Ouais, bah, tu vas bien, super. Oui, oui, moi bon. Aussi, t'es où? Je suis au tremplin. Ah, moi aussi. Ah bon, mais je suis à côté de l'hélico. Ah bon? Ah, ouais, je suis sur le... Ah, je suis peut-être pas sur le bon. Ah non. Bah, j'arrive. Ok. Bah, heureusement, je suis solide. Oh, attention à vous. Attention à vous. Daniel! T'es là. Bah ouais. C'était super. Ouais, c'était trop bien. Ouais. J'ai eu une petite frayeur à la fin, mais ça a été. Ah oui, bah moi aussi. Mais ça va. J'ai la tête dure. Roy, il avait... En fait... Roy, il a oublié de prendre... Je ne viendrai jamais. J'avais pas de parachute. J'ai tanké avec le dos, en fait. Oui, bah oui. Bah, ouais, bah, bravo. Et oui, alors. Attendez, hop. Après, on me dit c'est nous, les problèmes. Bah oui, c'est toujours nous. Et nous, on a bien réussi, hein. Oui, bah, bah oui. Félicitations. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mal. Arrêtez de... Oh. Oui. Ça va, ouais, hein. Bah oui, ouais. Oui. Quoi, oui, ça va, hein? Bah oui, oui. Ah, bah quoi, oui, ça va. Si, on vous dit bah oui, oui, bah oui, bah oui. S'il y a rien, oui, d'accord. Y a rien, oui. Bah oui, bah okay, oui. Ok, y a rien. Est-ce que je peux avoir les clés du véhicule du coup? Parce que je sais pas où est mon parachute, je comprends pas. Oui, bien sûr. Alors, vous, pourtant, sur votre application Bolette, vous le trouvez pas? Si, il y était jusqu'à ce que je fasse le coma. Vous calmez quand même la. C'est juste que vous n'avez pas sauté. Ah oui, le coma, oui, peut-être aussi le coma. Et peut-être que parce que vous, le saut était pas assez aussi également, c'est possible. Ah mais là, je l'ai juste pas sur ma molette. Il y a un autre tremplin là-bas, on peut peut-être essayer. Ah, en fait, là, quand vous faites la molette, vous voyez rien. Ouais, donc du coup, il faut que j'aille acheter un parachute, c'est ça? Non, il faut que je mette une main dans la tête. Non, mais je vois la molette, je vois. Encore je vois, les clés je regarde. Ah non. J'ai tout qui fonctionne, j'ai tout qui fonctionne. Tu les as donné. Tu me les donnes? Mais non, moi je les ai rendus au docteur Maison. Bah oui. C'est un anesthésie, on vous inquiète. On peut avoir les clés? Ouais. C'est quand même pas pratique hein, de voir à chaque fois. Replier parachute. Vous n'avez pas de véhicule devant vous. Ouais. Dépasse là, va plus vers la c'est porte. C'est bon, j'ai le parachute. Vous inquiétez pas, ouais. J'ai essayé solo. Moi. Vas-y. Mettez-vous toutes les deux dans l'hélico. L'objectif c'est de mettre. Ah, excusez-moi, ça me saoule. Ok, excusez-moi. Rendez-moi les clés, les enfants. Oui. Ouais, vous mettez tous les deux, et si vous pouvez avec l'hélico, essayer de vous mettre au niveau de la voiture rouge, je vais essayer de vous passer par dessus. Oh ouais, bah ouais. Oh moi, je peux faire vu que vous avez fait avec Daniel, je peux faire. Ah oh, bien sûr, tu peux venir avec moi. Tu peux aller, Daniel, ça te dérange pas, vu que t'as fait avant. Vas-y. Ouais. Alors, vas-y, donnez-moi les clés, les enfants. Allez. Elle va plus très bien, ma voiture. Vas-y. Eh, je suis désolé de dire elle, putain, ça m'échappe. C'est notre voix, bon, ça arrive souvent, c'est pas grave, mais c'est ok. C'est bon, on choisit pas notre voix, monsieur. Non, c'est vrai. On a une voix comme ça, c'est un peu un truc de croûte, on a tous des voix un peu aiguës. Ouais, bah écoute, ça vous scie, ravi. Bon, votre voiture, elle. Ok, attends, on va se mettre comme ça et on va reculer un peu dès qu'il y aura plus personne. Pardonnez. Je me détache. Ok, ouais, je suis détaché aussi, t'es prête? Ok, ouais, je suis prêt. Allez. Allez, ouais, j'ai dit prêt cette fois-ci. Ouais, c'est bon. Au-dessus de l'hélico, ils sont prêts, eux. Ouah, y'a la musique. T'es chaud? Ouais, je suis chaud. 3,
2. Ça va être le meilleur saut de ma vie. Allez. Sayonara. Allez, 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 allez. Ouais. Wow. Votre musique là. Pardon, excusez-moi. Ah, oui, oui. J'avais réussi, j'étais content d'avoir réussi avec quelqu'un. Il y a un autre tremplin, on peut essayer un autre tremplin. Let's go, le tremplin. Faut que je répare le véhicule avant, elle est complètement morte. Ah bon ? Oh zut. Bonjour. Je me demande pourquoi. Je me suis dit, je voulais faire une bonne chute et ouvrir le parachute au dernier moment et je le ferai plus. Ah oui, non, faut pas, ça c'est. Oh, oui, non, ça oui, non. Moi j'ai eu très très peur de prendre l'épaule d'hélico dans la gueule, je vais pas vous le cacher. Mais je ferai plus, je ferai plus. Vous êtes allé trop, moi j'ai rien vu. Ah bah zut, c'est vrai. Non, on a eu du mal à vous voir. Ah bah, on a juste vu les parachutes aller près de l'hélico. On s'est dit en tout cas, je suis super content. C'est la première fois que j'ai réussi en 4 essais sur la journée. Ouais, c'était super. C'est vrai. J'ai pas trop réussi, mais j'ai réussi le premier essai, donc ça va. Eh wow. Oui. Il est magnifique, le docteur. Ouais, je vais essayer mon parachute. Il y a mon corps ici, là. Vous le voyez pas, vous, mais moi je le vois. Ça va, mon corps. Il est tout debout, puis il attend avec son parachute. Tu vas bien, corps. Ah, il part. Ah, il me suit. Il s'en va. Il me suit. Il me suit plus. C'est bizarre quand même ce qu'on voit quand on sort de cet endroit. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, bien sûr, vas-y. Ah mais du coup, monsieur, vous êtes en train de voler une, de voler une camionnette de XLR. C'est un emprunt. Mais qu'est-ce qui... Ah, on a coincé le véhicule. Ah bah non. Mais sinon, on en prend un autre, hein. Moi j'ai une voiture aussi. Elle va plus vite ma voiture. Il n'y a plus d'essence malheureusement. Mais c'est pas grave Antoine, tu vas la retrouver. Oui, je sais. Ce sont mes chaussures. Vous pouvez pas essayer de récupérer un véhicule avec un peu plus d'essence. Oui, mais j'en ai un autre aussi moi. Il est au parking. Juste pour retourner sur. Oh, bah, il est parti. Il a plus d'essence, il a plus d'essence celui-là. Pas grave, c'est pas il a grave. Plus d'essence. Il arrive avec un véhicule, attendez. Ah, très bien. Replie ton parachute. Juste qu'on le remette dans. Ah oui, ah oui allez-y, oui. Repliez vos parachutes. Ah bah, il faut que je vous donne les clés. Oui, bah ça. Oui. C'est pour ça que j'ai gardé moi. Ah, d'accord. Bah, pas moi. Au pire, mais, au pire, gardez-les en attendant, on les reprendra à la fin. Ouais. Je vais réparer le véhicule à la fin. Alors après, moi, j'ai envie de coucher, je suis fatigué moi. Ah oui, c'est tard. Hein. Ouais. On aurait dû prendre ma voiture, elle va plus vite. Oui. Après, attendez, normalement, vous sautez de la rambarde rouge ou de la ou du parking? La rambarde rouge. Donc, moi, mais l'autre, c'est celle là-bas. Celle là-bas. Oui, c'est la même. Hein. Moi, je pensais que vous sautiez de là-haut, en fait. C'est pour ça que je m'étais mis juste en dessous. Non, non, pas du tout. Ah, voilà, regardez, il est là. Ah oui. Oh là. Oui. Passe quoi? Hop là. Hop. Bravo. Eh oui. J'ai plus d'essence moi par contre. Ah. Bah sinon on va chercher ma voiture, non? C'est à côté. Bilan d'essence. J'ai un bilan d'essence. Ah bon bah très bien alors. Il faut faire le plein d'essence de toute façon à chaque fois. Oui. Après faudra qu'on fasse ça mais avec nos motos. Après moi je vais bientôt aller faire un gros dodo parce que je suis. Oui, non mais moi aussi, mais je veux dire demain. Ah bah oui, demain de fou. Je propose un dernier saut et après dodo. Ouais. Bon, allez. On fait le même tremplin moi, ou l'autre derrière? L'autre derrière, c'est le même, non? Ah, si c'est le même, mais avec un autre paysage. Sinon, depuis le parking, il y a un tremplin. Mais non, mais c'est, voilà. C'est pas le même. C'est pas le même paysage. Cher ami. Non, pas encore, vous m'avez repris les clés. Pardon. T'as failli faire très mal. Vérifiez bien que vous ayez votre parachute. Oui, on l'a. Au pire, rendez-moi les clés vu que c'est le dernier saut, les enfants. Ok.
Pardon. Et moi, je vous ai poussé. Ouais, pas de problème, je rame. Merci, docteur Coat. Pas rien. Voilà, souci. Attends, un petit peu, pour pas que je me trompe, ouais. Allez, cette fois, on va bien, ok? Allez, hop. Croy, tu fais quoi? Tu vas comment? Croy, prends une autre voiture, puis on fait en même temps, juste à la suite. Ouais. Oui, il t'a réparé ta voiture et t'as déjà plus de pare-choc. Bon, ça arrive. Voilà, tu lui as roulé dessus à la dame. Oh, mais c'est... elle va bien. Mais elle est là depuis tout à l'heure, je la vois, elle prend des photos de rien. Enfin dessus, bon, c'est bon, c'est au bout d'un moment. Non. L'autre, tu le vois là-bas? Mais non, on a dit, on fait l'autre. Ah, mais il se remet là. Bon, personne s'écoute, bon, comme d'habitude. C'est pas grave, c'est juste. Vas-y, c'est on rigolo, c'est qu'on fait la suite. Oui. Ok. Ah, il est où? Bah, c'était lui, non? Non, c'était t'as pas tapé. Lui. Ah bon? Bah, attends-le là. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'ai pas son numéro. Oh, bah, il a shooté mon corps. Mon corps, il nous regarde. Ah bon? Oui. Mais ça va, Antoine? Oui, ça va. Oui, j'ai pris un gros coup. Ah oui, bah, c'est pour ça, alors. Ouais, mais de toute façon, il s'en va, de toute façon. Mais moi, j'ai pas son numéro. Moi, j'ai pas non plus, j'ai pas son numéro. Bon, bah, j'y vais comme ça, c'est pas grave. Allez-y. Avec ça, ça ira, ok, ouais, viens derrière mais nous. Mais qu'est-ce que... Ok, détache-toi bien. Je vérifie, c'est bon, je suis détachée. Ok, t'es prêt, Roy? T'es prêt, Roy? Prêt. Toujours prêt. Allez. Let's go. Non, pas là. Non. Oh, oui, quand
Oui, oui, Docteur Croûte est juste au-dessus en fait du parking. Voilà, je vais le faire. Bon, voilà, on arrive. Allez, Docteur Croûte, restez. Eh ben oui, bah oui, bah non, je comprends. Tout le monde a fait pâte à bouffe. Je fais pas ta pauvre, ouais. Eh oui, oui, oui. Ouais. Bah merci d'être venu me chercher. Les autres, ça va? Ils vont bien, je les ai réveillés. Oh bah super. Oh, je suis pas le seul à m'être loupé. Bah oui, bah tout le monde sait l'eau. Bon bah tant mieux, je me sens moins bête. Bah non, tout le monde a perdu. Ok, ok. Allez, un petit peu de rappel pour vous donner du courage. C'est ma voiture qui part à toute vitesse, ils vont refaire un saut ? Non, je crois qu'il avait dit que c'était le dernier, je crois. Oui, je me disais aussi. Vous attend... Il a mais dit non, qu'il faut un saut, là. Vous attendez en bas. Il faut un saut, là. Ah oui. Ah, je crois qu'il nous rejoigne. Ah bah c'est bon, je t'en réveille. La formidable. On est là. Ma oh, super. Oui. Ah, au moins, bah, ça oui. Fonctionne. Attendez, je vais réparer le véhicule. Bon, on s'est dit on allait leur faire un petit coup. Elle était sortie du véhicule. Et oui, ça vous fait plaisir qu'on soit là? Bah oui. Ah, vous êtes... oui. Ah oui, c'est une oui, belle entrée. Aussi, ça hein. Me fait plaisir d'être oui. Elle est super cette voiture là. Une belle entrée. Ah, je suis content, on a bien géré notre passe. Waouh. Si elle va vite cette voiture. Une belle la bagnole. Attendez, regardez, je vais faire un truc. Bougez pas. Normalement, si vous touchez à rien. Je vais vous dire quand bouger, ok? Oui. Je vous dis juste quand bouger. Alors normalement, si je dis pas de bêtises. Si je fais qu'est-ce qui se passe? Si je fais un truc du genre alors attends, je vais y arriver, il me faut 2 secondes. Bon, on vous attend, il y a pas bah de bah ouais, on attend, bah ouais. Oui, bah oui, bah oui. Voilà. Non, ça peut-être pas marcher ça. Ça si vous bougez, ça marche pas. En fait, je sais qu'il y a un de mes muscles. Complètement fou. Quand je fais un truc, normalement, je reste bloqué dessus. Ah oui, parce qu'elle est quand même vachement polie, quoi, la voiture. Oui, elle est polie. Donc ça va elle a dit merci voilà, qu'on est entré. Allez-y, roulez. Voilà, normalement, je. Vas-y. Ah bah, ouais, il a menti. Ça n'a pas marché, très bien. En même temps, on allait vite, et je sais pas ce qu'il espérait. Bah attends, on va lui demander s'il ouais. Va bien. Après, on va venir à se coucher. Oui. Il était où? Ah bah, ça va, ah, il ouais. Va bien. Mets ta ceinture. Oui. Je l'ai pas mise. Ah. Oh, je l'ai attachée au dernier moment. Bon bah, okay. On leur dit bonne nuit. Ouais. J'appelle Docteur Maison, je leur dis bonne nuit. Ou tu veux remonter? Tu veux qu'on remonte? Bah vas-y. Alors attends. Bah ils partent. Faut que tu peux descendre. Ah ils s'en vont, bon bah tant pis. Tant pis. Pourquoi je devrais descendre? Si tu veux qu'on remonte. Il est où Roy? Eh bien, il est là. Il est là, regardez. Hop là. Oh bah waouh. Oh, c'est une belle fin et de soirée. Voilà. Et vous avez ramené votre voiture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roy. Salut à tous. Ouais, des bisous. Nuit, hein. Ouais, des bisous. Yeah, bonne soirée. Yeah, bonne soirée. Yeah. Ta. On a tous fait des comas, on tombe direct sur le toit. Pas besoin ouais, de s'amuser, on a le parachute et médecin, ok. Médecin maison avec nous qui nous carré toute la soirée. Ouais. On est plutôt bien les amis avec les croûtons, c'est ouais, ok. Ouais. 4 sauts et réussi, une fois deux on y arrivera. Ouais. On rejoint direct allez, en haut allez, avec allez, la voiture allez, comme allez, ça. Allez, il allez. La répare 1, 2, 3 fois, 4, 5, 6 fois. Ouais. Une fois je suis tombé dans le coma, mais je m'en rappelle pas. Allez, salut allez, les croûtes, on se dit ouais, bonne soirée. Bonne soirée. Allez, bien se reposer. Oui, bien sûr. Par choc. C'est pas moi qui t'ai le par choc. Allez, bonne nuit. C'est pas moi qui t'ai le par choc. Allez, bonne nuit. On part dans la voiture ou on va au domaine? On va au domaine? Non, viens. Non. Oui. Ouais. Oui. On se comprend. Oui, oui. On va aller dormir quelque part sous les ponts. Oui. On en parlera mieux demain. Mais j'ai pas envie. Je vais garder cette fin de soirée en tête là. Ok? Oui, non, mais je suis d'accord. Ouais. Ça fait du bien en tout cas. Il est con, Roy, mais il est rigolo. Mets ta ceinture. Bah là, je suis attachée ou pas? Oui, ah moi, non, je t'ai pas attachée, moi. Ah oui, non, mais attention quand même, du coup. T'as vu, il y avait un tremblant là aussi. Ouais, bon, on va se calmer, c'était. Parce que oui, là, il y a le docteur Maison, il est parti. Oui, c'est vrai que t'as raison.
Bon, regardez un joli endroit là. Oula. Oui. T'en penses quoi? Regarde, c'est quoi ça? Oh, je sais pas. Attends, viens, on va attends, voir. Viens, on va voir. Chips. C'est le métro. Wow. On peut dormir ici? Ouais. Attends, jusqu'où on peut... Regarde, viens voir. Oh, il y a des rats. Oh, les rats. Petits rats. Oui. J'aime bien les rats. Oh, c'est cool ici. Mais oui. J'aime bien. En plus, il fait chaud et tout. Bah ouais. Y'a quoi là? Oh. Ah, ça souffle pas, je pense. Non, je pense pas. Viens sur un joli endroit. Ouais. Oh, ici, personne pour nous embêter, c'est agréable. Ah oui, non, là, personne va venir nous chercher. Y'a... Ouais, bah si. J'allais dire, y'a pas un rat, mais du coup, ça fait... Bah si, bah si. Oui, bah oui. C'était mieux l'endroit qu'on avait fait là, on va trop loin, je crois. Oh, regarde-y là-bas, c'est bon. Qu'est-ce que c'est là-bas? Je sais pas. Attends, mais c'est dehors? Non. C'est une station. Tu savais même pas qu'il y avait un métro sous la ville, tu savais ça? Mais moi non plus, mais non, je savais pas. Tu crois que ça tourne encore ou c'est un vieux métro qui tourne plus? Bah je sais pas, parce qu'il y en a pas, y a pas l'air là. Ce serait plus facile des fois de se déplacer. Bah oui, mais si j'avais su, moi j'aurais plus pris le métro quand même. Bah oui, bah oui. Un tour. Bah ouais. Je pense qu'on a fait un tour ou que c'est un autre endroit ici. Ah c'est un autre endroit je pense. Bien, bah je pense que c'est notre station. Oh c'est long l'escalier. Ouais. Là, ça ressemble hein. Ça ressemble beaucoup. Par contre il y a pas un chat. Il y a des rats mais il y a pas un chat. Oui, ah oui, oui, c'est vrai. Ça, on peut le dire, du coup. Ouais. Oh, ça m'a fait peur. Ouais, ça m'a l'air d'être pareil, non? Ouais, c'est la même chose, ouais. Oui, non, mais c'est fonctionnel comme métro. Ah oui, parce fait. Qu'on allait. Bah, c'est celui où on a bloqué là, l'ambulance. Ah oui, c'est vrai. Bah voilà. Oh, ça me rappelle plein de souvenirs. Ouais, ouais, si ça fait longtemps. J'ai l'impression que c'était un... qu'on était des personnes oui, différentes. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a beaucoup évolué depuis. Ouais. Et on a surtout plus accès aux ambulances depuis. Ah ouais, bah non. Bon, on se met. Ah là, c'était bien, ouais. Ouais, il faisait chaud. Ici c'est bien non? Ouais. Sous la bière, c'est rigolo ça. Ok. Allez, moi je te dis bonne nuit. Ouais. Je te fais des gros bisous. Ouais. Vraiment.